À tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour la FAQ du, du mois de décembre. Comme vous pouvez voir, je suis en compagnie du One and Only Ricardo. Comment est-ce qu'il va bien, Ricardo, ce soir déjà Avec toi. Ouais. Toujours. Ouais. <laughs> Donc, on va parler de plein de choses euh, ce soir. Très content de vous retrouver. Euh, évidemment, on va parler de ces belles guitares qu'on a euh, par-de-vers nous. On en a même deux. Euh, voilà, j'ai l'impression que je suis un petit peu fort au niveau de mon micro, donc je vais me baisser un petit peu. Voilà. On en avait 5 tout à l'heure. On en avait 5 tout à l'heure parce qu'on a enregistré une vidéo avec, mais on s'en est fait voler 3, mais c'est pas grave, on a défendu chèrement notre peau, on en a gardé deux. Les La blanche, voilà, dont on va vous parler, et l'orange que euh, ouais. Ricardo euh, va jouer dans, dans un instant. Mmh. Donc Bienvenue encore une fois sur cette FAQ du, du mois de décembre. Je suis un petit peu perturbé parce que moi je suis une vraie horloge suisse, hein, tu vois. Normalement, faut que ça commence à l'heure. Donc là, je suis tout perturbé parce qu'on commence à, à 13 minutes. Et en espagnol, c'est l'heure espagnole. D'accord. Bon bah voilà, on va mettre ça sur le dos des espagnols. Voilà. C'est très bien. Donc ravi de vous retrouver. On va parler de, de plein de choses. Donc de ces belles guitares. On va commencer euh, évidemment par faire un petit tour de, de promotion pour vous rappeler que euh, si vous voulez euh, amplifier votre vie, votre passion pour la guitare, vous pouvez toujours vous abonner sur la chaîne guitare.com et d'ailleurs euh, Ricardo il est abonné bah, tu viens de remplir donc euh, pour la Je deuxième rempille, année ouais, consécutive hein. en fait quoi et plein tarif en plus et plein tarif ah, en attends. plus ouais c'est ça non, non, je bon, suis ravi et, et content l'avoir fait. Qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie euh, la, la chaîne guitare déjà Alors, je, ville, je, hein. je, dois, je dois rester sérieux donc. Ah bah je... tu dois rester comme tu es toi non, Ricardo non, 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 non. surtout. J'avoue que dans un premier temps je me disais oui ça serait sympa d'être abonné mais j'allais pas regarder. En fait, j je me suis mis à regarder pas mal de petites choses en me ouais. disant euh, oui bon ça peut être intéressant et en fait euh, bah, je me suis surpris à en regarder beaucoup. Ouais. Donc non non sérieusement c'est très intéressant enfin euh, je veux pas faire la promotion, les gens qui sont là sont forcément déjà. Majorité abonnés ou... Ouais. Bah écoute, il y a des gens qui ne sont pas encore abonnés, donc euh, c'est souvent la question que je pose qu'est-ce que tu dirais aux gens qui regardent ça, qui sont pas abonnés à la chaîne guitare et pourtant qui sont fans de guitare Comment les faire venir Qu'est-ce que tu leur dirais Bah ben, c'est à dire, c'est vrai que toutes les, les vidéos que moi j'ai pu apercevoir par exemple sur le site de, de Facebook, c'était sympa, mais ça survolait les choses. Et une ouais. fois qu'on rentre vraiment dans, dans, ces, dans, ces, dans, ces, dans ces informations, ou en tout cas dans ces reportages, ben, forcément on, on prend vachement de plaisir et puis c'est vachement plus intéressant, c'est plus approfondi, c'est plus détaillé. Euh, non, non, je. Et puis, ce, que je... ce qui m'a surpris, c'est la quantité. Ah, c'est sûr qu'il y a du stock. Il voilà. y a du stock en Et masse, donc, ça, c'est clair. Euh, donc, non, 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 non je. Je ne regrette absolument pas. De toute bon. façon, tu, en plus, tu, tu proposes un remboursement si jamais... Oui, absolument. Ah, non, <laughs> non, mais tu ne crois pas si bien dire parce que je fais euh, euh, satisfaction garantie. Donc, quand les gens, ils viennent ici sur la chaîne guitare.com et qu'ils cliquent ici sur s'abonner, sur il y a les deux formules. Donc, la formule mensuelle à 10 euros par mois ou la formule à 110 euros pour un an avec un mois offert. Donc, et je m'engage formellement euh, ici. Il faudrait que je le mette d'ailleurs sur le site, que c'est euh, satisfaction garantie. Donc, si vous prenez l'abonnement à 10 euros par mois... Euh, si Jamais au bout d'un mois, vous n'êtes pas content, euh, vous avez juste à me demander gentiment, je vous rembourse et puis on se quittera, euh, bons amis. Hein, tu vois, je peux pas faire non, mieux. Non, non, mais ce, qui, ce que j'ai intéressant, c'est que je feuilletais ça au bout d'un moment, ouais. comme il y avait beaucoup de choses, comme un magazine. Alors, il y a des choses que je commençais que je finissais pas, et puis d'autres ouais. que je finissais. Donc voilà, non, non, il y a beaucoup de, de contenu. Et puis, euh, très, et puis, le temps passé qu'on passe malheureusement sur des réseaux sociaux, bah ouais. qui sont pas toujours très intéressants. Le temps de vie euh, inutile, ben là, il est beaucoup plus. Autant regarder des les choses de, de qualité. Exactement. Là, si je te mets comme ça sur la sellette, je te demande euh, les interviews, les trucs, les vidéos que tu as regardées, que tu as trouvées, tu dis « Ah ouais !» Alors, le mec une... avec ses chemises à fleurs, il fait des trucs cool. Bah, alors, ce n'était pas toi qui parlais, pour le coup. Ouais Non, okay. c'est un petit peu... En euh, ce <laughs> général, c'est les autres que j'essaie de faire vrai. parler. Hein. Non, non, ouais. non, c'était... Euh, ben, donc, qui nous a malheureusement quittés, mais une sommité, on va dire, Monsieur Duchossoir, quand il expliquait... Ah oui, André Duchossoir, voilà, excellent. C'était ouais. euh, euh, une heure et demie, enfin, je ne sais plus combien de temps, donc, ouais. qui expliquait en détail, avec passion et... Et sans ânerie, euh, toute l'histoire de, de, de Fender. Bon, c'est passionnant parce que la personne était passionnante. Mais ouais. non, non, c'est très. Ça, celle-ci, je me demande si je ne l'ai pas vue deux fois. Mais... D'accord. Alors, effectivement, tu fais référence à André Duchossoir, une sommité de la guitare vintage. J'ai vraiment ça, sommité, même au, au niveau mondial du terme, parce que même les gens de chez Fender et Gibson le consultaient parfois sur certaines choses. Et c'était il y a quelques temps, c'était en 2016, ouais, que j'avais organisé. Ah. Euh, une, une conférence où il y avait donc André du qui est venu parler de guitare vintage, et Arnaud Legrand qui est venu parler de de, de guitare un peu manouche, Busato et compagnie et Évidemment, quand tu t'assois puis que tu écoutes André du tu bois ses paroles, c'est terrible. Et il est revenu un ou deux ans avant sa disparition faire un peu l'état de l'union du, du marché de la, la guitare vintage. Je ne sais pas si tu l'as regardé celle-là de non, 2018. Non, 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 je vais... Mais hyper intéressant parce qu'il bah, donne un peu sa théorie de qu'est-ce que va devenir le, le marché vintage. Donc, euh... Et a-t-il raison A-t-il eu raison Bah écoute, euh, pour l'instant, je pense qu'il n'a pas encore eu raison. En fait, pour résumer sa pensée, lui, il dit bah oui, mais les guitares vintage, maintenant, les... bientôt, les vieux cons les grosses collections, ils vont tous disparaître, on va se retrouver avec beaucoup de guitares sur le marché et ça va moins intéresser les gens. Je paraphrase un peu, mais c'était ça. D'accord. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Les, les vieilles guitares, enfin, les guitares vintage, les valeurs sûres vont toujours rester, voire continuer d'augmenter. C'est ça. Et euh, j'ai pas l'impression que, comme euh, quand on veut m'énerver, on a juste à me dire tu sais, la, la guitare, ça va être l'accordéon de demain. Tu as juste à me dire ça, en général, je te colle je un vois marron, le, ça m'énerve. Je ne vois, vois pas le rapport. Ouais. Non, non, ce que j'observe, moi, dans le vintage, et même dans quelque chose qui est un peu parallèle, et ça rejoint un petit peu la. La raison de ces guitares, c'est dans le monde du vintage aussi des automobiles. En ouais. ce moment, on voit, voilà, il y, y a des gens qui sortent leurs instruments de collection parce qu'ils ont un certain âge, parce qu'ils veulent les revendre, ils savent que c'est le bon moment. Donc, il y en a beaucoup plus, enfin un peu plus. Les prix sont très élevés, ouais. euh, mais les valeurs sont conservées. Ouais. Sur les très hautes de gamme, enfin sur les, les choses impeccables, euh, tout va bien. Hein. Je veux dire, euh, les, les prix sont élevés, ça, ça fonctionne bien. Euh, après, oui, forcément, il y a beaucoup de guitares dites « vintage », donc qui, vont, qui ne prennent pas de valeur ou qui n'en ont pas. Oui, oui, tout Mais à fait. Euh... Et qu'on n'en jamais pris, et puis, et puis voilà. Mais en tout cas, effectivement... Euh, pour terminer la, la petite page de, de promotion, donc quand on, on s'abonne à la chaîne guitare, donc non seulement on accède à l'immense bibliothèque de contenu, on peut discuter sur le forum privé où il y a parfois des hurluberlus comme Ricardo qui viennent raconter des histoires et interagir on peut tester du matos chez soi via la, la tournée matos pour recevoir des, des, des pédales à la maison et on peut venir ici au, au showroom, voilà, dans l'antre du diable pour essayer des, des, des chouettes guitares, donc voilà, vous avez tout tout ça, en fait, quand vous êtes abonné à la chaîne guitare. Donc, honnêtement, euh, si vous êtes fan de guitare, si vous êtes en train de regarder cette FAQ, vous devriez vous abonner. C'est la recette euh, assurée pour, pour, le, pour le bonheur, à la guitare. Hein Et si ça ne vous plaît pas, on vous rembourse. Exactement, tout à fait. Et je le dis euh, franchement, sans aucun problème euh, par rapport à ça. Alors, on va, on, fera, on va faire un petit récap après la euh, de, de l'histoire, de enfin pas de l'histoire, mais en tout cas de cette année 2022 qui a été bien bien chargée au niveau de la chaîne guitare. Mais revenons plutôt à ces belles guitares colorées qui, qui sont ici. Donc, on a dit tout à l'heure, il y en avait cinq, là il y en a plus que deux. Il y a la orange et il y a celle-là, voilà, qui est ici. Et euh, ce qui est marrant avec celle-là, je vais essayer de faire une cascade en direct. Oula C'est que, euh, je ne sais pas si on le voit, ouais, là on le voit comme ça, voilà. J'ai la guitare qui est assortie à euh, mes chaussures, à moins que ce soit le contraire. Ou le contraire. Ou le contraire. Voilà. Donc c'est quand même la classe euh, intergalactique ça. Bon, j'ai aussi la mienne. Ah, ouais. Ah, Est-ce que tu vas arriver ah, dire, ouais, Voilà. Non, on ouais. fait, on voilà. fait quand même des cascades en direct, des trucs de fou quoi. <laughs> Alors, raconte-nous un peu, quelle est, quelle est cette histoire un peu euh, étrange là, de l'Inea di Corsa, puisque c'est un peu le, le, la marque de l'éditeur Exactement. Exactement. En fait, euh, moi je travaille donc euh, dans. Je ne suis pas musicien professionnel, ouais. même si je suis passionné. Et donc, euh, un de mes clients est une société euh, où je m'occupe maintenant d'une forme de direction artistique, en tout ouais. cas. Hop, et donc et cette site marque web qui euh, Voilà, la, la marque s'appelle l'Inea di Corsa, en fait, est une marque qui a été créée en 1961. Euh, en Sicile. Ouais. Donc, lignes à corsa, ça veut dire ligne de course. Et la base, c'était donc quelqu'un qui, qui était en fait euh, un, un garagiste, Alfa Romeo, qui a voulu commencer à proposer des, 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 des lignes de vêtements, de chaussures. À la marque Alfa Romeo, qui très vite leur ont dit écoutez, euh, jeune homme, continuez à vendre <laughs> des voitures, <laughs> occupez-vous de vos affaires. Donc, Chacun son métier. Voilà, ouais. donc euh, en fait, euh, la personne, bah, donc le, le grand-père de Gaëtan Bizzini, qui est à l'époque, bien sûr, qui aujourd'hui, et c'est le petit-fils, euh, donc a créé cette marque donc, de chaussures, qui est tout le concept, et j'allais dire l'ADN, est basé sur euh, les années 60 euh, et les voitures de l'époque. D'ailleurs, la baseline, c'est euh, Dolce Vita Sporting Club, c'est-à-dire, mm -hmm. c'est. Ça fait référence aux automobiles euh, italiennes, au design italien, et ouais. puis à cette euh, à cette belle période de plaisir qui était les années 60. Mmh, mmh. Euh, en fonction de ça, donc euh, euh, bah, actuellement, donc la marque a une collection assez large de chaussures, de vêtements, ouais. de, des sacs aussi, bien sûr, des ouais. sacs. Et donc un des produits qu'on a, qui est une basket qui s'appelle la Jarama, est fait en 11, euh, 12, pardon, 12 versions de couleurs. D'accord besoin, j'allais dire, de trouver des formules pour éventuellement promouvoir les, les couleurs, euh, voilà faire de quelque chose d'intéressant. Et donc, on est allé euh, pour mettre en valeur voilà, des collections à travers des univers de produits périphériques. Ça se fait souvent. Euh, C'est des collaborations, des mmh. collabs. Là, actuellement, on a une collaboration qui se prépare avec des montres. Et euh, comme le fan, comme euh, monsieur, monsieur Dominique, euh, qui est notre, euh, notre dirigeant, enfin le dirigeant de cette marque, est fan de rock, ainsi que ouais. moi, j'ai dit, bah, pourquoi on ne fonce pas à créer des guitares ben voilà Assorti. Euh, D'ailleurs, je crois que tu as peut-être le produit qu'on qu a fait fa envoyer au fabricant. C'est ça, tu veux dire Voilà, exactement. Ouais. Donc, en fait, c'est-à-dire, sur les 11 couleurs, on en a sélectionné 5. Ouais. Et on s'est dit, allez, faisons des guitares, mais des vraies guitares de qualité, euh, faites vraiment par un, un professionnel, quelqu'un ouais. de bien. Mm -hmm. Et donc, le problème bah, qu'on a eu, c'était de trouver le luthier qui pouvait nous faire dans un premier temps 10 guitares donc deux fois 5 ces couleurs là mmh. et donc j'ai cherché je ne trouvais pas donc de de, 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 de tristesse j'ai appelé Pierre. <laughs> <laughs> vraiment, t'étais au bout du rouleau ah bah, à ce moment-là. appeler Pierre, il faut vraiment être ouais. euh, <laughs> à la fin. Quoi. Donc j'en profite d'ailleurs pour remercier euh, Stéphane Bertrand qui est dans la chat room. Merci beaucoup Stéphane. Encore Stéphane. Encore, le grand connecteur, les... le ouais. grand connecteur universel qui, 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 qui relie les gens. C'est incroyable les gens qui m'ont fait rencontrer euh, Stéphane. Et donc effectivement, je reçois le coup de fil de, de Ricardo. Il me dit, bah tiens, voilà le, le projet. J'aimerais faire ça. Est que... Où est-ce que tu penses que, que, que je pourrais aller et en fait, ça m'a pris à peu près 20 secondes pour lui répondre. Dire, bah écoute, euh, pour moi, la seule personne en tout cas qui est à même de, de faire ça en France, c'est Tom Marceau en Bretagne, de Marceau Guitars, euh, parce que il fabrique d'excellentes guitares. J'en ai eu plusieurs fois euh, entre les mains. Et il fait pas mal de, de jobs, de boulot comme ça en sous-traitance pour des marques, pour des, pour des luthiers euh, et compagnie. Voilà. Et donc, j'ai été euh, l'entremetteur. Et visiblement, euh, ce mariage a bien fonctionné puisqu'on a des guitares à vous montrer ce soir. C'est ça. Alors c'était difficile parce qu'il y avait quelques difficultés. Déjà en produire 10, d'une part, ouais. euh, rentrer dans un programme. En plus, euh, comme on veut vraiment mettre en place cette, ce plaisir de couleur, tout ceci, on voulait absolument que les manches soient peints. Ouais. Et Ce inquiet, qui est euh, l'enfer sur Terre pour un luthier, de, de, bah, de peindre... Je pense qu'au euh, début, début, il a trouvé ça amusant, ouais. et puis euh, <laughs> après, il a trouvé intéressant, on va dire ça comme ça. Voilà, et puis après, quand il s'est affronté aux problèmes techniques, il s'est dit, mais non, mais dans quelle galère je me mais suis voilà, mis... Non, non, il a été charmant, il, a été, il nous a vraiment aidé il est allé à fond jusqu'au bout, parce qu'il y a une vraie difficulté, c'est-à-dire que euh, le manche, les manches sont peints vernis, ouais. et en, après il y a un vrai travail pour enlever fret par fret toute la peinture. Donc les manches ont frété, c'est peint et après faut tout voilà. décaper pour, voilà. pour arriver à cette la belle finition C'était mmh. la technique, il l'avait jamais fait et c'est très délicat. Bon c'est vrai que Billy Gibbons, ça, je ne sais pas qui lui fait ses guitares, il a souvent Bolinda, boline, boline. D'accord. Ouais. Donc voilà c'est quelque chose qu'il n'avait jamais fait mmh. et euh, donc ça s'est bien passé parce que la finition est vraiment incroyable. Ouais. et Je dis pas ça, euh, c'est bien ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire ouais. que moi j'étais surpris à deux niveaux. Euh, non seulement la, la qualité de finition, franchement, ouais. et puis le son. Ouais. Voilà, je me disais, ça va bien sonner, sauf que ça sonne plus que bien. Oui, effectivement, ça sonne plus que bien. Et comme euh, je dis très souvent, il y a parfois des guitares qui sont très belles. Toi comme moi, on consomme pas mal de, de guitares porn sur Instagram. Il y a parfois des guitares qui sont belles en photo, puis une fois que tu les regardes de près, Exactement. ah ben curieusement euh, ou pas, elles sont euh, un peu moins belles. Et là, honnêtement, on peut les regarder sous toutes les coutures. Euh, ah, le c'est très très joli, c'est très bien fait. Et dieu sait s'il est complètement les aplats de couleur comme ça, ça peut être hyper casse gueule parce que le, la moindre ah pâte de le, mouche le, le, se si, va fin, se voir. si tu une caméra pour euh, vraiment zoomer, c'est. à euh... C'est magnifique. Ouais. Là, on a aussi le symbole à la douzième case, qui est ah, un oui. symbole de volant qui existe mm -hmm. en fait, c'est les fermetures éclair. Et puis voilà, les logos qu'il nous a placés, ouais. ils sont d'une qualité euh, euh, voilà, ouais, vernis, voilà. euh, ah, impeccable. C'est sous vernis. c'est impeccable classe, Et Vraiment puis très euh, très classe. donc, qu'est-ce que je peux dire sur ces guitares? Elles sont étonnamment légères. Ouais. On vient d'en peser une euh, au hasard. Ouais. Euh, moi, j'ai jamais en pe... enfin tu, tu, tu confirmes 2,8 kg. Ouais, avec mon super personne bagage ultra perfectionné. Euh, 12 balles chez Darty. Il euh, y en a une qui a passé la pesée ouais, à 2,8 kg. Ouais, 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 Après, les autres sont assez légères. On est 3,3 kg, 3,6 kg, qui est un poids tout à fait euh, correct. Quoi. Voilà, Tom avait un petit peu peur en disant voilà, comme c'est une esquire, on va laisser du bois, ça ouais. risque d'être plus lourd, et ce n'est pas du tout le cas. Du tout, mmh, du tout. Mmh. Et donc, non, non, super surpris, une résonance incroyable. Euh, parce que moi, j'avais un peu. Peur entre guillemets, puisque je m'engage pour une marque à faire fabriquer des guitares, il fallait que ce soit là au rendez-vous, euh, au niveau de la qualité et du son, et euh, tout va bien. Alors va vas-y, fais-nous un petit peu, on va démarrer peut-être en son clair, okay. puis après on va ajouter du, du graou. Vas-y donc. Tiens. Okay. Clair, on est sur le v twin Il y a un petit slap back, un petit peu d'écho de reverb euh, et un petit peu de délai ping-pong parce que je ne peux pas m'empêcher. Et euh, donc là, j'ai joué plutôt à fond. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en son clair, ouais. on n'a on pas quelque chose d'aigu, d'agressif. Ouais. On n'a pas ça, le pic à glace euh, dans non. les oreilles. Là, ouais. Et mmh. ça, ça vient du. Bah, une, voilà, on a travaillé avec, euh, avec Tom pour justement qu'il nous mette un micro. Alors, je sauf erreur, je crois que c'est le 54, Telecaster 54, qui permet d'avoir un son un peu plus doux et euh, vous baissez le volume, on a franchement moi je suis pas en mode d'un micro grave bah, ouais, il ouais, y, y a un joli son là je l'écoute au casque donc euh, au microscope d'une certaine manière et le son est très bien quoi. tu nous mets un peu de Graou eh mon dieu alors qu'avons-nous ouais. là donc la vémurane cumulé. Vas-y. Jouer avec le coeur. Bah écoute, c'est jouer avec de la réverb et du delay ping-pong, donc tout passe à ce moment-là, quoi. C'est vrai. Ouais. C'est nickel. Non, non, très content de. Franchement, du son. Encore une fois, euh, les Suisses disent un truc qui m'amuse qui disent Je suis ah. déçu en bien. J'étais déçu en bien. Et donc, ça, c'est un compliment, ça Oui. D'accord. Parce qu'en okay. fait, tu t'attends à quelque chose et en fait, c'est mieux. Ah oui, d'accord. Tu vois okay. le concept Ouais. ouais. C'est tordu. Ouais. C'est. Bah, les Suisses, hein. Bon, d'un autre côté. Ouais. Donc voilà, en tout cas, très. <laughs> euh... Non, non, franchement. Euh... En tout cas, moi, je suis hyper content d'avoir été le, le connecteur entre Tom Marceau et, et toi, et puis que ce projet soit abouti, parce que ça fait des choix de guitare, et puis c'est rigolo, euh, et puis voilà quoi. Hein bah, ce, ce, ce travail transversal, j'allais dire, de, 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 de valoriser par des collaborations comme ça des instruments, en tout cas des choses qui sont des, des, des choses qui viennent du monde du plaisir, j'allais dire. Des, Mais bien sûr, la sensation marche très bien. Et puis on a vu, comme on l'a vu que c'était pour illustrer cette gamme de chaussures. Euh, on commence déjà à faire des vitrines avec dans nos boutiques enfin dans certaines boutiques et euh, bah, les gens euh, rentrent des fois que pour ça quoi mmh, d'ailleurs et demandent déjà commencer à demander des prix si vous voyez ce que je veux dire bah ouais et donc là si j'en veux une et puis d'acheter la paire de chaussures et la guitare qui va avec on peut parler alors oui enfin oui on s'est posé la question parce qu'on a eu, déjà eu des demandes ouais. donc on a quand même c'était pas le but c'était pas le but mais pourquoi pas euh, si c'est le cas il ben, faudra bien sûr être dans des commandes avec des délais euh, des délais ben, des délais euh... bah oui parce qu'il travaille fort euh, voilà, Tom, travaille alors fort. Tom on a essayé d'avoir Tom en live mais il travaille tellement qu'il n'a pas pu venir avec nous mais il nous fait coucou dans la chatroom donc euh, salut à toi Tom et bravo pour ces belles réalisations sur vrai. lesquelles on a, on a bien du plaisir c'est vrai et donc, euh, donc voilà, on, on envisage de pouvoir peut-être les vendre. Si vraiment il y a des intérêts euh, forts. Ouais. Et ça restera sur des prix très raisonnables, très proches des Marceaux. Des marceaux on va donc pas vous pouvez m'envoyer tous les sous à mon, mon adresse PayPal et la rédaction euh, transmettra. Transmettra, c'est ça. ça. <laughs> non, voilà, on va rester sur des prix d'une de, bonne guitare Marceau. Ouais. Enfin, bonne guitare, c'est peut-être un pléonasme. Non mmh. Bonne guitare Marceau, c'est un pléonasme C'est vrai. Ouais. Bah, pour, en tout cas, toutes celles que j'ai touchées. Quel étaient faillot étaient... celui-là. non, alors. toutes celles que j'ai touchées étaient bien. J'ai ouais, ouais, ouais. peut-être tombé sur une mauvaise. Et donc, euh, voilà, donc on peut envisager, bien sûr, il y aura un délai, qui est ouais. le délai Marceau, parce ouais. que le, le garçon est occupé, mmh. c'est bon signe, et voilà, qu'on qu estime quand même euh, bah, entre 7, entre 6 et 8 mois. Voilà. D'accord, ok. Mais c'est des guitares. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est que comme on a beaucoup de couleurs dans cette gamme, chaque guitare sera unique au niveau de la couleur. D'accord. Donc il y en a 5 qui restent pour la boutique, ouais. 5 qui pourraient être vendus. D'accord. Et euh, toutes les autres vont exister, mais en couleur unique, ce sera que des pièces uniques en termes de variation de couleur. Vraiment chouette. C'est classe, c'est bien fait. Et, puis on, a et déjà euh... des, on a déjà des magazines qui nous sollicitent pour qu'on leur prête les guitares euh, pour les photos, parce que voilà, c'est entre guillemets bankable. Ouais. Bah voilà. Mais en tout cas, vous les aurez vus ici euh, en premier, et ça, euh, c'est c'est méga classe, top. C'est ça. Excellent. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre Alors, euh, je garde un œil dans la chatroom. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, euh, etc. Euh, je serai ravi d'en parler. En attendant, je vais vous raconter un peu tout ce qui s'est passé pour moi en, en 2022. Alors, je ne vais pas vous faire un récap complet parce que ça serait interminable. Juste là, j'ai fait les comptes en fait et euh, je me suis rendu compte que sur 2022, figure-toi que j'ai fait 15 déplacements. Donc, ça fait quasiment, ça fait même plus plus d'un par mois. Donc, euh, c'est quand même pas mal. Euh, on peut commencer. Voilà, je vais vous montrer cette page-là. Euh, je vais commencer sur la saison, euh, je vais dire d'automne, mais en fait, je l'ai fait commencer au mois d'août. Il y a d'abord eu cet événement euh, chez Henning Poly, euh, donc euh, ce YouTuber qui a 150 000 abonnés sur YouTube. Il organisait un événement qui s'appelle 42 Gas Street, euh, où il faisait venir que des YouTubers euh, matos. Et moi, je lui avais dit bah, écoute, Henning, t'es gentil, mais moi, je suis pas un YouTuber matos m'arrive de faire des tests de, de guitare, mais je suis avant tout quelqu'un qui fait parler les gens, qui fait des interviews, il m'a dit « Ah, oh, viens, viens, tu vas voir, c'est vachement bien ». Et effectivement, c'est vachement bien, j'ai rencontré plein de gens, c'était plein cool, bien cool, donc là, c'était le premier déplacement de, de, de l'été. Ensuite, j'ai enchaîné, il y a eu le salon de, de Toulouse, où je suis allé, il y avait des, des, des chouettes choses, il y a d'ailleurs une interview de Fred Obahi, là, le, le luthier qui est ici, là, que, que je vous ai présenté, qui est, qui est vachement bien. Ensuite, alors je vais pas tout vous raconter à chaque fois parce que ça serait interminable. Qui est cette mais, personne Mais qui est cette personne Voilà, le ouais. Stéphane Bertrand, cet homme souriant qui est ici. Donc, euh, il est allé faire le reporter à ma place au Guitar Summit, parce que moi, j'avais un petit mariage dans ma famille, alors pas le mien, parce que moi, c'était il y a quelques années. Et du coup, Stéphane, je lui ai dit Bah écoute, ça t'intéresse d'aller à ma place en Allemagne Il m'a dit Oui, oui. Et je lui ai donné carte blanche. Il a fait des reportages d'enfer avec des interviews, etc. Donc, encore merci beaucoup. Euh, Stéphane, ça m'a permis ça a permis à la chaîne guitare d'être présent finalement en Allemagne alors que j'y étais euh, même pas et donc c'est un salon que je recommande d'ailleurs ça serait peut-être quelque chose pour qu'on fasse ensemble hein, mon petit Ricardo ouais, ça. pourquoi pas, ouais. c'est pas des endroits déplaisants bah ouais absolument ensuite il y a eu bien sûr le salon de, de Puto vous voyez l'affiche voilà, qui est derrière ma tête là euh, c'était la quatrième édition du, du festival et moi dans le cadre du festival j'avais la casquette d'organisateur du, du salon donc 31 exposants à peu près un tiers de, de luthiers un tiers de, de luthiers acoustiques un tiers de luthiers électriques et puis le reste de fabricants d'amplis, etc. Il y avait aussi les concerts de démo, et vous retrouvez d'ailleurs tous les replays des concerts de démo euh, dans le... qui sont en accès libre. Donc par exemple Hugo Martin en train de tester les guitares de, de Régis euh, Sala, et euh, il y avait aussi Valzor qui était plutôt orienté sur les guitares électriques. Donc ça, c'était ça un magnifique événement, on s'est régalé par rapport à ça. Ensuite, j'ai enchaîné, je suis allé à soudain, euh, qui est un des grands rendez-vous de, de la guitare, avec en particulier, euh, j'ai interviewé, excuse-moi du peu, les trois, euh, trois luthiers qui, qui ont présenté le concours de meilleur ouvrier de France pour la lutherie. Et d'ailleurs, les résultats devraient être annoncés là, euh, je pense, euh, ce mois-ci. Et il y aura soit 0 soit un, soit deux, soit trois meufs euh, guitare euh, cette année. Voilà. Il, y a, il y en a tous les ans Non, non, non il n'y en a pas tous les ans. Je pense que c'est tous les deux ou tous les deux ans ou trois ans, un truc comme ça. Mais il y a Alors... toujours quelqu'un en guitare euh, pas toujours, là, okay. si le jury dit, bah non, vous n'aviez pas le niveau, il pourrait y avoir zéro moff guitare en 2022, okay. c'est possible. C'est entre zéro et trois. Euh, J'avais fait faire une guitare une fois par euh, Pierrick Brua. Oui, Pierrick Brua et, et Moff, euh, mof, tout, ouais, ouais. tout à fait. Moi, des moff guitare, il y a Maurice Dupont, il y a Pierrick, euh, Pierrick Brua, euh, Franck Cheval aussi, et Jean-Yves Alquier. Ah ouais. Je crois que c'est les que, quatre. Que des, euh... mauvais, ouais. Il y en a sûrement d'autres, hein. Mais en tout cas, ces quatre-là, je les connais bien. Je sais qu'ils, je sais qu'ils sont mofs. Donc ça, c'était Issoudun. Il un vrai régal, Issoudun. Ensuite, il y a eu le Bands où on a eu le plaisir de se croiser, où il y avait encore Stéphane. Décidément, c'est quasiment la star sans être invité. Voilà, on n'en parle que de lui, Stéphane. Euh, chouette salon euh, pas un salon du tout un stage organisé sur une semaine où j'ai le plaisir d'aller sur deux soirs euh, sur deux journées et j'ai fait en particulier interview de Michael Jones euh, guitare à la main mais aussi de Nico Slash j'ai rencontré plein de monde c'était vraiment un chouette événement toi tu as bien aimé tu étais venu en oui, candidat oui, libre oui, en hein, euh, candidat hein, libre hein. euh, ouais, j'étais pas loin de c'était pas loin de chez moi donc ouais. j'en ai profité puis c'était sympa parce que bah, j'ai fait euh, connaissance de de Michael Jones, enfin de, de, de Thierry Labrousse. Mmh, non, mmh. non, c'était très chouette. Mathieu, c'est marrant parce que tu dis c'était un c'était pas un festival, mais j'ai presque été comme dans un festival, quoi. Oui, <laughs> parce que c'est vrai que ça de jamais tout ça, c'était ah. bien cool. Euh, franchement, c'était un, un chouette rendez-vous, chouette ambiance, c'est très bien organisé. Euh... franchement, là, Nicolas ouais. Yves, euh... ouais, ah Nicolas bon. Yves Carol avec Cécile Sadouce qui organise ça. Hein. Et euh, c'est la deuxième année et je pense qu'il rempile pour l'année prochaine. Donc bah, euh... j'ai vu j'ai vu passer je crois hier. Ah oui. Hier, l'inscription est ouverte. D'accord. Voilà. Okay. Donc, honnêtement, si vous voulez pro, euh, progresser en guitare, donc le principe du Bandscamp, c'est qu'il y avait cinq euh, coachs. Donc, il y avait Tanguy Carlierou, Nico Slash, Swan Vaude, euh, Saturax, et il faut toujours que j'en oublie un. C'est qui que j'oublie Aidez-moi. Euh, bah, euh, non Michael Jones il était un peu le, le ah parrain de, de tout ça bah attends demande, demande à quelqu'un qui m'écrit euh, comme, euh, comme monsieur chatroom qui sait, à chat reportage au cœur du c'est bizarre chaque fois que je fais l'énumération il faut que j'en oublie un c'est moche à hein, Stéphane sur la chatroom ouais je suis <laughs> sûr que tu nous a déjà répondu mais j'essaie de voir si dans mon article je l'avais pas publié euh, qui c'est que j'ai oublié Dis-moi, euh, Stéphane, qui, qui c'est que j'ai oublié Il ouais. y a Stéphane qui dit que les inscriptions sont ouvertes. Donc je récapitule. Swan, Saturinx, Tanguy Carlerou, Nico Slash. Quatre coachs, hein, apparemment, quatre on n'en pas oublié. Ah, j'en ai pas oublié. Non. Ah, ok, bien, bon, bien. bon, My Bad, c'est parce qu'il y a quatre coachs plus Michael Jones. Donc tu vois, pourquoi une fois... Euh... J'avais rien oublié. Donc, bref, le band Camp, euh, vachement bien. Ensuite, c'était euh, une semaine ou deux après, je suis allé à Marseille, puis Teng Kong, parce que Stéphane Elena faisait un, un concert clair, pour les ouais. 15 ans de, de sa marque, où il y avait du très beau monde, hein, puisqu'il y avait du, du Patrick Ronda, du Pascal Vigné, Néo Géo Fanatique, euh, etc. C'était franchement un. Un chouette truc. Et euh, j'ai terminé par le. Ah non, j'ai oublié Milan. Ah oui, j'ai oublié l'Italie. C'était vachement chouette, avec notamment une interview de Cesco euh, Balossino. À chaque fois, j'ai envie de le dire à l'envers Bali, Bali Sony. Euh, voilà, un gros collectionneur de, de vintage. C'était bien cool. Et euh, pour terminer ces déplacements, euh, je suis allé chercher à Clermont-Ferrand une superbe Paisley euh, rose. Euh, un voilà. fantasme de jeunesse. Un fantasme de jeunesse. C'est un double fantasme en fait, parce qu'il y avait le fantasme de la guitare rose. Il faut quand même oser ça. On est quand même des bonhommes, tu et, vois. Et, il y avait testostérone, guitare rose, faut un peu oser. Et, et, ça, et, et, et les, les et fleurs, quoi. À, Non, et l'autre, c'est aller à Clermont. Oui, bien ah, oui, sûr. Ah oui, ça c'est un fantasme à euh, plus ou moins honteux, ouais, bien sûr, ouais, tout à fait. Et donc j'ai ramené cette euh, paisley euh, qui est euh, terrible. Donc franchement, euh, franchement canon, quoi. Donc ça, c'était pour les, les déplacements de, de, de cet automne. Donc ça, ça en fait 9, si j'ai bien compté. Donc ça en fait beaucoup. Et depuis le début de l'année, donc là, je reviens à début 2022, j'ai attaqué les choses par les festivités, par un déplacement. C'était la tournée Mato Silver Sky. Euh, chez, chez Thierry Labrouze à Lorient, donc c'était vachement euh, sympa. Donc on s'est rencontré, on s'est retrouvé chez Thierry, là où il fabrique ses amplis. Euh, on a essayé les amplis, les Axel Bauer, les Mostro à Burne, tout ça. Enfin, c'était euh, que, que du bonheur. Ensuite, il euh, y a eu le euh, euh, Montrouge, voilà, le festival de Montrouge. J'ai le plaisir d'être un, un exposant euh, chaque année, donc ça c'était top. Donc il y a lieu, ce qui s'appelle le Paris Guitar Festival euh, maintenant. Après. Il y a eu Montreux euh, où on s'est croisé aussi, où tu es venu, oui, le Montreux International euh, Guitar Show. C'était un salon dont c'était la première édition. Euh, et ils remettent le couvert cette année, ça sera euh, à peu près aux mêmes dates, enfin, au printemps. Je me rappelle même plus, c'était le printemps. Ça. Oui, oui, c'était le printemps. Et c'était franchement, euh, franchement super. Ensuite, un autre événement euh, backstage, donc ça, c'était chez Guillaume Gelin de, de Blue Cat Audio. Pareil, j'avais encore emmené, encore emmené la, la Silver Sky, donc euh, là on a discuté chiffon, on a essayé euh, tout le matos de, de, de Guillaume euh, avec euh, Axiom pour faire du, du chouette son, donc ça c'était euh, top. Après il y a eu euh, l'Italie, donc euh, je vous ai dit tout à l'heure j'étais allé à Milan, là cette fois c'était à Padoue, un chouette salon juste à côté de, de Venise, franchement un, un chouette événement, et euh, ça, on a terminé, non c'est même pas terminé d'ailleurs, en juin... Le NAM, le Winter NAM n'était pas du tout en, en Winter euh, cette année, il était en, en plein, en, en été, enfin, en fin du printemps. Euh, et c'était une, une chouette édition. Hein. Il y avait eu un peu des comment dirais-je des euh, des gens qui disaient ah ouais mais le Nam cette année personne qui va parce que on est encore en fin de Covid et compagnie. Et en fait euh, moi je trouve que c'était une des mes meilleures éditions. J'ai fait je sais plus 35 interviews sur les trois jours. Enfin c'était euh, plein de rencontres et en fait tous les gens qui étaient là le, il y avait effectivement moins de, moins parce de, d'exposants, qu y qui 30-40% d'abonnés. pas d'abonnés mais d'exposants qui étaient là. Euh, mais c'est comme si ceux qui étaient là avait encore plus envie d'être présent et il y avait cette joie de se retrouver et c'était lesquels qui manquaient qui n'étaient pas venus ah bah il y avait la, la grosse armada qui n'était okay. pas là donc Fender Gibson okay. PRS euh, voilà quoi tu vois donc tous ceux qui occupent normalement un étage au complet euh, okay. euh, n'étaient pas là mais euh, à côté de ça tu vois j'ai croisé Nathaniel Murphy alias Zeppelin Barnatra sur Instagram qui mmh. est incroyable Marc Lettieri le guitariste de Snarky Puppy qui joue en solo que j'ai refait d'ailleurs en interview pas très longtemps à Paris là faut que je, je fasse le montage de tout ça. Franchement, c'était un, un chouette un chouette événement. Et la saison d'été s'est terminée tout début juillet où je suis allé à Montluçon, donc un autre, un autre fantasme après Clermont-Ferrand, Montluçon. Vraiment, cité importante au niveau de la guitare parce qu'il y a le Mu Pop. Est-ce que tu es déjà allé au Mu à Montluçon Non, mais Montluçon non plus. Eh bien, bah écoute, tu pourras découvrir une charmante mais, ville de province et surtout un musée de la, la, la musique vraiment exceptionnel. Hein. D'accord, ouais. ok. Et toi qui as assez branché les Paul, il y a cette fameuse expo les jusqu'à la fin de l'année. Donc tu vois, tu plus beaucoup de temps maintenant parce que ça je... se termine le fin décembre. Ben hein. Écoute, faut que je regarde. Pourquoi ouais. pas Pourquoi pas Honnêtement, moi, je me suis régalé. C'était franchement un, une, euh, un événement top, super bien organisé. Et franchement, euh, franchement t a, t a, top. Tu as une quantité de combien de guitares tu dit, dit ouais. Combien il y avait de guitares ouais, là-bas, tu près. veux dire Ouais. Ah euh, dans l'expo, je sais plus je euh, je sais pas, je dirais au pif euh, 20 30 okay. chose comme ça. Okay. Et c'est pas mal, il euh, y avait des, des grosses pièces vintage et aussi des guitares de, de gens connus et bon, Yarol Poupo qui était le parrain de okay. euh, qui avait amené ça à Les Paul qui pèse 4 kg 5 etc. Enfin, il y a pas mal de y avait des très belles guitares okay. et fait par euh, mon grand copain là, Julien Bitoun donc franchement, c'était top quoi. OK. Il y, avait, il y avait quelque chose, je crois, chez Guitar Village, ou qui est encore le cas Oui, alors c'était la semaine dernière, il y a 15 jours, c'était la, la collection de Didier Duval, oui, okay. tout à fait. Okay. Mais. mais je suis pas allé faire un tour, c'était un, un peu loin, j'étais un petit peu fatigué d'aller me déplacer. Après, il y a, je pense qu'il y a un live qui est sur YouTube, où on voit les, tout plein de, de belles guitares. Et en fait, ce qui se passe, l'histoire, c'est ça, je suis en train de, de redérouler dans l'autre sens, c'est que le, le week-end d'avant, euh, j'étais à Milan, justement, où j'ai vu Cesco, bah, que tu connais, parce que tu es allé chez lui en oui, plus. Quoi. Oui, oui, j'ai. Il a eu la gentillesse, j'ai suis avec Jean-Christophe qui... Qu'on s'allie au passage. Voilà, je crois qu'il ouais. est là. Oui, il, il est là d'ailleurs. Il, il traîne, c'est bien. Ouais. Donc, euh, Jean donc toi, tu es allé voir chez lui le bah, Jean Christophe, Voilà, Jean-Christophe le connaît bien. Ouais. Il a déjà eu euh, à, affaire à lui amicalement. Et puis euh, aussi pour avoir euh, échangé, racheté euh, voilà, des, 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 de belles guitares. Ouais. Et euh, donc euh, un jour, il me dit, bah, tiens, je vais voir Chesco. » J'ai dit, allez, je viens avec toi parce que c'est une chance. Ouais. C'est un garçon... Euh, que moi j'ai trouvé brillant, va enfin brillant parce que c'est quelqu'un qui est plutôt jeune, je crois qu'il a autour de 30-35 ans. Ouais, je Et dirais dans ces eaux-là, ouais, effectivement. Ça. Ouais. Et puis euh, voilà, un vrai passionné, euh, un fou furieux, il connaît dans, dans le détail de, de beaucoup de marques, de beaucoup de guitares. Bon, il est quand même grand passionné de, de Fender. Ouais. Et euh, bah enfin, sans rentrer dans le détail, parce que voilà, il nous a accueillis gentiment. Euh, j'ai pu mettre la main sur des guitares que jamais j'aurais pu jouer. Euh, donc voilà c'était euh, c'était incroyable parce que ben bah, il a des, des, des choses magnifiques ouais. et puis c'est devenu quelqu'un de grande confiance sur le sur le marché du, du vintage et donc il je sais qu'il y a beaucoup de, de collectionneurs enfin des, des grosses collections qui passent par lui parce qu'il sait vendre il sait vendre il, il a un très bon anglais euh, ouais. il, il a beaucoup enfin il a vendu pas mal de guitares par exemple dernièrement à à Kirkhamet ouais. et euh, donc euh, donc voilà c'est quelqu'un qui, qui fait vivre le les guitares vintage, comme il le doit. Et puis, il est aussi euh, adossé avec des, des luthiers de très grande qualité qui refont des, re, des, des, des refines de ouais, guitares. qui font des restaurations. Des restaurations. Franchement, je n'ai jamais vu. Euh... D'ailleurs, faut avoir l'œil averti parce qu'elles <laughs> sont magnifiques et on pourrait croire des vrais, ouais. Des vrais en tout cas, en, tout cas en, en termes de finition. Mmh. Non, ah. puis euh, voilà, les gens lui font vachement confiance de, 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 dans tous les coins de. De, de la planète, tout ouais. ça. Donc, Et moi euh... j'avais eu un, un très bon contact avec lui, effectivement, il avait été très gentil. Euh, non seulement on avait fait une interview que vous retrouvez dans, dans cet article, mais on avait fait aussi une visite. Euh, un survol de ces guitares il y avait en particulier une, une section qui était la section Mark Knopfler où il y avait euh, une fiesta okay. red de la même année il a fait faire par Rudy Pensa une, une Pensa avec un One Piece top euh, de la fameuse MK1 de Pensa sœur à l'époque où John sœur fabriquait les guitares euh, et compagnie donc honnêtement euh, et puis il, a, euh, il avait aussi des, des guitares euh, à fleurs quoi. par contre lui euh, ce sont les originales quoi. Voilà. voilà ce sont les vrais de 68 et ah bah, 69 à un moment donné quoi. je joue une Gold Top je lui dis tiens bon on en jouait plusieurs ouais. et j'ai vu le, le, le j'ai su le prix qu'elle coûtait. D'accord. Parce que je me suis dit mais on dirait vraiment une, une Top 58. <laughs> Elle est bien fait ton Elle... relique, là, ouais. <laughs> on dirait une 58. <laughs> oui. Alors je vous engage à aller voir ce que coûte une 58 dans un état <laughs> parfait. Une Top 58 voilà donc euh, j'ai dit écoute je vais la reposer. Ouais. On ne sait pas. D'accord. Euh... On ne sait jamais ce qui peut arriver ça serait ballot quoi. Mais donc, euh, oui, euh, c'est euh, oui, pour ça. Ayant vu euh, Chesco la, la semaine d'avant, euh, et puis ça avait été un, une chouette rencontre. Donc, ça, c'était vraiment cool. Voilà. Euh, quoi vous dire pour 2023 ben, C'est sûr, sur le début de l'année, il y aura Montrouge. Ça, c'est clair que j'y serai à nouveau euh, cette année. Il y aura, c'est à peu près sûr, donc le Montrouge, c'est en mars, en avril, parce que cette fois, le NAM s'avance encore d'un mois, et peut-être normalement en 2024, il reviendrait sur janvier. Donc euh, j'irai euh, en Californie. Il y aura le mix donc à Montreux. Ça c'est début mai. Et pas impossible qu'en mai j'aille. Je retourne au centre de mes soeurs, à Osaka au Japon où j'étais allé avant la fin du monde en 2019, je crois, juste avant le, le, le Covid. Et ça m'avait éclaté parce que le Japon c'est franchement une c'est des maboules de, de guitares, quoi. Tu vois, c'est vraiment des. Bah, des Paraît-il que les plus grandes collections sont là-bas. Il y en a beaucoup aux États-Unis bien sûr, mais beaucoup beaucoup de, de très grandes pièces sont là-bas. Ouais. Et tu avais quand même des choses exposées intéressantes, fortes Oui, alors ce qui était marrant dans le, dans le, dans le salon, euh, c'est qu'il euh, y avait une section électrique, une section euh, acoustique, et puis une section où c'était les magasins eux-mêmes euh, qui venaient. Mais les magasins, tu avais l'impression qu'ils avaient vidé leur stock. Et tout était là, quoi. tu vois. Il okay. venait parfois avec des, des centaines de guitares. C'était euh, complètement, complètement dingue. Et ce qui m'avait frappé, c'est que j'avais fait aussi des, des, des visites de, de magasins. Donc là, le site est en train de se charger. Je sais pas pourquoi c'est aussi lent. Mais ça va, ça, ça va s'améliorer. Euh, et il euh, euh, y avait non seulement des très grosses pièces en termes de de, 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 de guitares haut de gamme, les super custom shop machin truc, mais tu pouvais aussi voir des guitares de, de gros luthiers américains, les, okay. des, des Mario Beauregard, des Michael Greenfield, des Jason Costal, euh, ben les avions de chasse, les guitares acoustiques à 30 000 dollars. Quoi. Mmh. Tu vois, pour eux, c'était au, au même niveau. quoi bah les, les Japonais sont quand même des gens qui ont, euh, qui ont beaucoup collectionné, qui con continuent à collectionner, qui ont vraiment des gros moyens. Et puis, ouais. euh, euh, quand tu t'appelles, enfin, la culture qu'il y a eu à travers Yamano, l'importateur, c'est... Euh, euh, je, je sais que c'est des gens qui arrivent à voir euh, par Gibson des pièces que, qui sont soit gardées aux États-Unis, soit envoyées au Japon. Ouais. On n'arrive même pas mmh. à les avoir nous en Europe. Hein. Et ils ont évidemment une tradition hyper ancienne de... De, de luthry, il y a quelques luthiers que j'ai fait en interview là-bas. Alors honnêtement, il y a par... enfin, je, me, je me rappelle, Alors, lui, Keisuke Nishi, il c'est est un luthier qui a étudié aux États-Unis, donc du coup son anglais est parfait. Mais euh, l'autre, là, qui est juste derrière moi, qui s'appelle Akio Masuda, euh, qui fait des super guitares, hein, sauf qu'il euh, parlait très très peu euh, anglais. Et le problème des Japonais, c'est qu'ils te disent jamais non. Donc, quand tu leur demandes gentiment bah, « Do you speak English ?», ils vont te dire oui. Alors qu'en fait, ils savent juste dire oui, quoi, tu vois. Mais c'est beaucoup, déjà. Donc, oui, oui, c'est beaucoup. C'est juste que pour une interview, c'est un peu court, quoi, tu vois, en termes d'échange, quoi. Donc, j'ai parfois eu quelques moments de, de solitude comme ça, mais euh, c'était un méga kiff. Et donc, euh, pareil, ça fait partie des, des, des reportages que j'essaie d'avoir et c'est un peu une... En faisant un peu une rétrospective, en regardant un peu dans le rétro comme ça, je me suis dit mais attends, mais ouais, Journal es quand même euh, le média guitare qui se déplace le plus, qui va sur tous les événements, euh, etc. En France, en Europe et pas mal euh, plus loin. faudrait que ça se sache un petit peu plus, quoi, tu vois, puis que ça, ça raconte des belles histoires, tout ça, bah, quoi. Peu à peu, les choses vont se faire. Bah ouais, tout à fait. Voilà, bah écoutez, je crois que ça fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais vous raconter. Je ne sais pas si vous avez des questions, commentaires, tout ça, puisqu'on est là un peu pour vous. En attendant peut-être, je vais repasser le, le micro, on va se mettre en caméra euh, guitare. Et peut-être, euh, peut-être Ricardo va nous gratifier de quelques, euh, un petit peu de son. Allez, vas-y Ricardo Je remets les micros, vas-y. C'est dommage que tu ne prennes pas une guitare pour jouer avec moi. Ah bah je peux pas m'occuper de tout là, je fais déjà toute la réalisation. Là. pédaler dont je le découvre. D'accord, c'est pas -ce grave, -ce ça fait du beau son partout quoi. Qu C'était joli ça. Oh, c gentil. Hein. C'était quoi ce dernier riff un là Un truc que j'ai trouvé. Petite compo euh, Oui, vous c'est comme ça. Bah écoute, c'est très joli. Il y a Stéphane qui s'est dévoué qui te pose une question, il te demande qu'est-ce que tu en penses du V-Twin euh, Rico Alors ah, le Vétwin, expliquez-moi qui est qui. qui le Vétwin, c'est l'ampli sur lequel tu joues depuis tout à l'heure. Le Vétwin. l'ampli, que... l'ampli à lampe. j'ai D'accord, OK. Bah, qu'en qu euh... penses-tu bah, il est très bien maintenant. C'est vrai qu'il faudrait l'essayer sans casque. À fond. Ouais, ouais, ouais. Bah, Ce que tu as non, fait non, 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 tout à l'heure, avant qu'on très... démarre, ah ouais, tout à fait. On a dû raccrocher des posters. Hein, ouais. que... <laughs> on a raccroché <laughs> tous les posters. Tout avait des Non, non c'est ouais. très bien, c'est très bien. Mais bon, ici, franchement, enfin, j'ai rarement entendu quelque chose de Un mauvais matos. Donc, tiens, bah, explique-moi présentement le V-Twin. Eh bah écoute, le V-Twin, c'est sa version du. Tweet Deluxe, je crois, un 5.2, ça se peut ça Je me rappelle, je me mélange un peu des fois dans les circuits chez Fender. Ah, je ne suis pas spécialiste là-dessus. T'es pas spécialiste Non, hein non j'en connais un peu. Mais non, non, je ne me, me lance pas. Mais c'est un mono-canal, euh, voilà. C'est euh, le son que j'utilise la plupart du temps. Comme tu vois, il prend très bien euh, les pédales. Quand tu le mets un petit peu plus fort, là, il est quand même assez fort. Donc du coup, le, on commence à avoir un petit peu de texture euh, dans non, le non, son. Montre-moi en fait, la bête, elle est où Bah ben, c'est ça, c'est ici. Mais le, le panneau de contrôle est derrière, en fait. Okay, c'est pour okay, ça que tu as okay. l'impression que c'est un baf, mais en fait c'est un ampli. Ok, ok, ok. Bah voilà. oui, c'est un Kelt. Mais bah oui, absolument, c'est un Kelt. Ouais, Mais Est-ce que les mauvais Kelt existent C'est ça le problème. Non, mais tu pourrais dire, bah écoute, le son est bien, non, non, mais ça ne très... me plaît pas, tu vois. Ah non, 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 non. le droit de faire ça. Non, ce qui est intéressant sur euh, sur cette guitare en plus avec cette config et encore ouais. une fois, euh, il y avait un risque dans le sens où j'avais rien testé, rien, des rien prévu, je, je pouvais que euh, aimer ou pas aimer. C'est que voilà, j'ai pas changé de moi je suis assez fan de, de des configs et mais J'ai rien changé, les sons clairs étaient corrects et ouais. pas acides. Ouais, plus que correct quand voilà, même, es un euh, peu dur. Là. Non, non, mais je dis correct, ouais. euh, c'est déjà pas mal. T'es ouais. dur, dur toi, toi, toi ouais, Ouais. Donc était très beau, ouais. ah, euh, ouais. voilà, c'est bien. Et puis je passe sans saturer, je me pose pas de questions. Le son est bien aussi. Ouais. ouais, ouais. Et euh, après, moi, c'est vrai que j'adore toutes les configs de guitare, mais dès que j'ai un micro grave, je vais tout de suite être dessus, je vais, je vais, passer plus de temps. Alors que là, je me concentre que sur le jeu. Ouais, et et même, je pense que même mmh. au niveau de la main droite, tu agis différemment parce que. Tu sais que tu ne peux pas te permettre tout, donc ouais. euh, tu es un peu plus... Euh, es un peu Moi plus je délicat. trouve, Parfois on a un peu la trou de la guitare à un seul micro parce qu'on se dit ⁇ Ouais, bah oh là là, je vais être perdu, tout ça ⁇ Et en fait, euh, je trouve que c'est un exercice qui est hyper intéressant parce qu'effectivement... Quand tu as des possibilités, tu vas les utiliser tout le temps, tu vas changer, etc. Alors que là, il bah non, faut que tu bosses et les variations de son, faut que tu les chercher à la mano et en fait, c'est un, un, super exercice. Non, 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 quoi. Mais euh, après moi, par expérience, c'est-à-dire toutes les guitares que j'ai eu en main qui étaient des Esquire, ou en tout cas sans micro grave, ouais. c'est assez logique. Il n'y a pas de cavité, donc la vibration est toujours plus forte et j'ai toujours trouvé qu'elle sonnait beaucoup tout de suite acoustiquement très dure, très, 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 enfin, très dure, très complète. Euh. Sans, sans baisse de son. Mais quoi. en fait, pour en avoir le cœur net, là, faudrait faire un trou, mettre un micro, et puis euh, voilà quoi, tu vois. Euh, ouais, mais en tout cas, On fait, pour l'instant. Euh... <laughs> Euh, essaye voilà. avec le pinceau là. Tu vois, Attends, tu bouge pas, j'ai mon couteau suisse là, c'est l'affaire de 5 minutes. Mais quoi. Bien sûr. je fais chauffer le fer à souder, le temps que tu fasses le trou, euh, Exactement. on mettra le micro. C'est évident que le fait que le bois reste, les résonances sont forcément un peu... Oui, c'est vrai que t'as pas de... Ah ouais euh, oui, le truc il est direct. Et il y a aussi, moi la théorie qu'on entend très souvent... Euh, c'est comme il n'y a pas de micro ici, il n'y a pas le pool magnétique du micro, ce qui fait que peut-être la guitare bien bien résonne bien un sûr. peu plus, bien etc. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, euh, bah, c'est souvent aussi bah, ce qu'on entend. Quoi. Ce que m'avait expliqué un luthier une fois, c'est que beaucoup de gens s'amusent à régler les. les... Les micros, les micros très haut, hein. très haut, ouais. et en fait le magnétisme fait que euh, le, la corde est attirée et arrête de vibrer à bon ouais, un moment ouais, parce ouais. qu'il y a de l'aimantation Voire même tu crées de la fausseté parce que du coup tu effectivement tu, tu déformes certaine manière la, la vibration. Donc euh, oui, on peut monter les micros pour avoir plus de, de son, mais euh, allez pas trop loin parce qu'il y a un moment où on est dans les rendements décroissants. Quoi. Oui, oui, non mais ouais. euh, franchement. Fait, je suis euh, ravi. Excellent. Eh bien, écoute, euh, moi aussi, je suis ravi. Je suis ravi de t'avoir eu comme invité pour cette gentil, dernière merci. FAQ de, de 2022. Donc, euh, je vous donne rendez-vous, ben, j'allais dire, l'année prochaine pour la FAQ. On fera une FAQ euh, en janvier. Pour les abonnés de la chaîne guitare, ben, je vous donne rendez-vous euh, demain à 19h. Ça sera pour le direct backstage. On débriefera tout ça. Puis, j'ai encore des petites affaires à vous montrer euh, côté matos. Donc, euh, ben, merci beaucoup, Rico. Et puis, euh, à bientôt pour de nouvelles aventures. Oui, alors. Ben, on va se recroiser euh, ai euh, peur, sur, hein. sur des lieux de perdition. Ouais, je crois bien. Allez, ciao à Au tous, revoir, merci revoir. beaucoup d'avoir regardé ça et à bientôt. Bye bye. Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur guitare.com